Ce n'est pas un parcours du combattant parce que nous avons déjà l'habitude de travailler avec des fonds publics et nous sommes conventionnés et financés par le Conseil régional de Franche-Comté, mais aussi cofinancés par le Fonds social européen. Par ailleurs, nous avons été certifiés EAFAC en 2017. L'intérêt, c'est que le passage à Qualiopi est facilité du fait qu'on a été audité uniquement sur un nombre restreint d'indicateurs. Le passage à Qualiopi n'a pas été non plus une simple formalité pour nous, parce qu'il y avait des indicateurs dans le nouveau référentiel, liés essentiellement à l'apprentissage, qu'il fallait retravailler. Nous avons donc mobilisé l'équipe du centre de formation SOSIM pour trouver l'argumentaire nécessaire et les preuves pour justement répondre aux exigences de ce référentiel. Nous avons eu d'abord plusieurs échanges avec l'équipe d'AFNOR, puis ensuite on a eu un interlocuteur qui a également pris contact avec nous. Nous l'avons sollicité avant de venir sur site pour demander quelques précisions sur les indicateurs 26 et 27 qui concernent justement l'apprentissage. On a eu les réponses qu'il fallait pour nous préparer à l'audit. Le jour de l'audit sur site, ça s'est très bien passé. Il y avait un échange constructif entre l'auditrice et l'équipe SOSIM. Avec nous, c'est très bien passé. On n'avait pas en fait de points à corriger. Qualiopi nous a énormément apporté. D'abord, une lisibilité auprès des bénéficiaires concernant leur parcours de formation qui sera sécurisé, mais également donc une amélioration des différentes procédures donc, qui sont liées aux prestations de formation que nous réalisons. Et bien entendu, ces procédures nous permettent tout simplement d'améliorer encore notre professionnalisme.